Une explosion sur un site nucléaire a fait un mort dans le sud de la France ce lundi. D'après l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, la déflagration s'est produite dans un four servant à recycler des déchets faiblement radioactifs. 4 personnes ont été blessées, l'une d'elles serait dans un état grave. Le site touché est celui de Marcoule dans le Gard. La société qui l'exploite est une filiale d'EDF. Elle a déclenché son plan d'urgence conformément aux procédures. D'après l'ASN et EDF, il n'y a pas eu de fuite radioactive ou chimique à l'extérieur de l'installation. Un porte-parole d'EDF a précisé qu'il s'agissait d'un accident industriel et non d'un accident nucléaire.